Allô? Ok, pourquoi tu parles comme ça? C'est Francis? Oui, bonjour, c'est comment, monsieur? Tu ne sais pas que c'est bientôt Noël. Il faut les jouets de l'enfant, les habits, les chaussures, tout ce qu'il faut pour l'enfant. Je n'ai encore rien acheté. Allô? Tu es aux urgences, ça? Tu fais quoi aux urgences? Tu es gravement malade. Depuis combien de temps? À la rentrée scolaire, tu m'as sorti la même excuse que tu es en cellule. Tu as fait un mois en cellule. C'est pour ça que tu n'as pas payé l'école de l'enfant. Maintenant, pour les fêtes de Noël, je n'ai ni jouets, ni habits, ni chaussures. Tu ne fais rien. Tu n'assumes pas tes responsabilités. Quand je t'appelle, tu me dis que tu es aux urgences. Et pourtant, hier, tu as snappé, tu étais en boîte de nuit. Aujourd'hui, tout à l'heure, maintenant, tu me dis que tu es aux urgences depuis des jours. Et pourtant, hier, tu snappais pas en boîte de nuit. Envoie-moi l'adresse des urgences et je viens te déposer ton enfant. Tu me connais, non? Je dis que envoie-moi l'adresse des urgences. À le jour que tu me commandais l'enfant, c'était pour pourrir ma vie. Parce qu'il y a certains hommes, vous les hommes sorciers, que quand vous rencontrez l'enfant d'autrui, tu rencontres l'enfant d'autrui, elle te dit qu'elle n'a pas encore le temps de faire un enfant. Tu me fais l'enfant. Après, dès que tu me bombardes comme ça, là, tu disparais. Maintenant, quand il faut assumer, tu sors les excuses. Oh, je suis aux urgences. Oh, tu es en cellule. Oh, tu es même chez le pape, ce n'est pas mon problème. J'ai dit que. Donne-moi l'adresse, je viens te déposer ton enfant et tu joues avec mes nerfs. Je te demande, est-ce que tu joues avec mes nerfs? Quand tu sentais bon, j'ai dit, je vais même d'abord écrire. Tu vois les photos que tu postes tous les jours, pour tous les jours, les photos de l'enfant là. J'irai souvent faire les commentaires là-bas. Parce que quand tu es là, je prends tout, je fais tout, je prends les charges, je fais tout, 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 je gère l'enfant. Dès que tu vois l'enfant, tu fais les photos, tu vas mettre sur les réseaux sociaux, tout le monde te voit comme si tu étais un bon père. Pourtant, tu es un sorcier. Papa Zamba, si on pouvait souvent voir le visage de quelqu'un comme ça, on voit que la papa, j'arrive là-bas aux urgences.